Moi, c'est Thomas, j'ai 35 ans, je suis éleveur de brebis laitières et surtout éleveur d'agneaux en bio au Creusot, en Saône-et-Loire. On ne se connaît pas, mais entre nous, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Je vais vous expliquer quoi. Savez-vous que l'Europe importe de plus en plus de viande d'agneau, souvent provenant de pays lointains, 15 000 km d'Australie, Nouvelle-Zélande? Ces agneaux sont transportés dans des conditions déplorables, sans eau, sans nourriture, parfois plus de 20 heures dans le même camion pour traverser leur pays d'origine. Alors que nous, en France, nous on nous impose une réglementation de 8 heures avec une pause pour tous les animaux. Et chez moi, pas plus d'une heure, 40 km. Vous, consommateurs, vous n'en avez pas forcément conscience. Et pourtant, cette viande transportée avec des pratiques interdites en Europe se retrouve dans vos assiettes, à la cantine de vos enfants, dans les restaurants, dans les grandes surfaces. Et nous, qui tentons de produire une viande de qualité avec la meilleure des traçabilités, eh bien on ne peut pas lutter. Car le respect des normes que l'Europe nous fixe, combiné à des élevages beaucoup plus petits chez nous, entraîne forcément des coûts de production beaucoup plus élevés que ces pays étrangers. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins que de la concurrence déloyale. La solution, elle est pourtant simple, pour vous et moi, c'est d'obliger ces pays exportateurs à respecter les mêmes normes que nous en Europe. C'est ce qu'on appelle les mesures miroirs. C'est ça qui nous rapproche. Ensemble, demandons la mise en place des mesures miroirs. Pour cela, rien de plus simple. Signer l'appel de la Fondation pour la Nature et l'Homme.